Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi matin. Soyez bénis. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Je suis un Togolais vivant à Lomé. Je viens témoigner la grandeur, l'amour et la puissance de l'Éternel des armées, le Dieu le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. J'ai été guéri de mon oreille gauche les mois derniers. Depuis 2012, j'avais un problème d'oreille gauche. Je me douchais et un petit pain de savon s'est enfoncé dans mon oreille. Bon, 3 jours après, ça s'est infecté et ça puait. Bon, suite à des entretiens, tout ça là, finalement, il y a une membrane qui est venue boucher carrément mon oreille gauche et que chaque fois, si je veux faire l'entretien, j'ai mis du coton-tige dans mon oreille, ça touche cette membrane, vraiment, ça m'a fait très très mal. Entre-temps, j'ai été à l'hôpital et puis on m'a enlevé ça, on a fait l'entretien, lavé mon oreille, on a enlevé cette membrane. Mais après tout, ça s'est encore replacé et j'ai jugé bon de l'ignorer. Bon, je vivais avec ça comme ça. Je l'ai ignoré carrément. Et il s'est fait qu'en août dernier, j'ai un cousin qui avait aussi des problèmes d'oreilles. Lui, ses deux oreilles sont bouchées carrément. Ça ne fonctionne plus depuis sa naissance. Donc, il utilise certains écouteurs pour pouvoir écouter nos paroles. Donc, sans écouteurs, il regarde seulement. Il ne comprend plus rien. Actuellement, il utilise l'écouteur pour pouvoir écouter. Donc, je lui ai rapproché et je lui ai demandé, je lui ai expliqué le fonctionnement du Tout-Puissant à travers Kanguka. Alors, je lui ai proposé de prier avec Kanguka. Et il a accepté. Donc, nous avons commencé la prière en août. 2 semaines après, j'ai constaté que moi, mon oreille commence à bourdonner. Ça faisait comme s'il y a de bulles de savon qui s'éclataient dans mon oreille. Là, j'ai compris que vraiment Dieu veut commencer par moi. Moi, j'ai ignoré le mien, mon problème d'oreille, je l'ai ignoré. J'ai vu prier pour mon cousin qui a des problèmes d'oreille depuis son enfance, depuis sa naissance. Voilà que Dieu veut commencer par moi-même. Et c'est ce que j'ai compris. Vraiment, ça bourdonnait. 2 semaines après, j'ai pris un coton-tige et j'ai mis dans mon oreille. Il n'y a plus de la membrane. Mais quand même, je sens quelques douleurs. Et je continue la prière. Je vous assure que chaque fois quand je commence à prier, ce sont des crachats mousseux et gluants qui sortent de moi. Je crache des crachats mousseux. Des fois, c'est gluant. Chaque fois, c'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste en moi, à sa présence. Donc, 2 mois après, mon oreille est totalement guéri. Il n'y a plus de séquelles de mal, bien d'infection, rien du tout. Actuellement, mon oreille est en bonne forme. Et je vais rendre grâce à Dieu. Je remercie le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui sonde les cœurs. Oui, je remercie Christ. Vraiment, tout ce qu'il fait, sans aucun sou, il ne demande même pas rien, seulement que de prier avec lui. Et nous avons eu gain de cause. Oh Christ, merci. Je vous bénis. Je bénis votre femme. Je bénis votre famille. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. Merci. Une fois encore, merci. Gloire à Dieu. Que l'Éternel soit béni. Amen. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit en Belgique. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage des merveilles que le Seigneur a opérées dans ma vie à travers les prières de Kanguka. J'ai mon fils qui est un adolescent de 16 ans. Depuis la grossesse de mon fils, je souffre des nerfs sciatiques. Pendant la grossesse de mon fils, je pensais qu'une fois après l'accouchement, je ne souffrirais plus. Des nerfs sciatiques, cela a continué jusqu'en 2022, jusqu'à ce que mon fils ait l'âge de 16 ans. J'ai fait plusieurs séances de kiné. J'ai pris plusieurs traitements, plusieurs médicaments pour être guéri des nerfs sciatiques,
pour être guérie de la douleur des nerfs sciatiques, mais je n'en étais jamais guérie. Et alors, une fois, pendant la prière de Kanguka, Chris a dit qu'il y a une personne qui est guérie des nerfs sciatiques. Là où j'ai été, j'ai crié, j'ai saisi au nom de Jésus-Christ. J'ai dit merci Seigneur Jésus, merci de m'avoir guéri des nerfs sciatiques. Et quelques jours après, je réalisais que je n'avais plus les douleurs au niveau des nerfs sciatiques. Je suis vraiment, vraiment, vraiment guérie des douleurs de nerfs sciatiques. Je n'ai plus aucune douleur des nerfs sciatiques. Et mon deuxième témoignage est le suivant. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation à travers la prière de Kanguka. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour son amour et pour sa bonté. Et au départ, j'aimerais d'abord demander pardon à Dieu par rapport au témoignage que je vais devoir faire maintenant. Je suis de la RDC. C'est depuis, je crois, le mois de février que j'ai reçu par le biais d'une amie du Bénin des audios Kanguka. Et au départ, c'était pas facile pour moi parce que je sers le Seigneur depuis très très longtemps, depuis des années durant, une dizaine, une quinzaine d'années, je crois. Je vivais une situation très compliquée, donc tout était bloqué. Tout vraiment était bloqué, vraiment sur tous les plans. Les études, la famille, tout vraiment était bloqué. Et grâce à Dieu, ces audios-là, mes filles ont envoyé et je les ai auditionnés. Bon, au départ, c'était pas trop fameux. Bon, je croyais pas trop. Mais un bon jour, tellement que l'ami avait insisté, il m'a posé la question, mais les audios que je t'envoie, est-ce que tu as l'habitude de les auditionner, de prier? Je lui ai dit, oh, oui, je veux le faire. Mais un bon jour, elle m'a envoyé deux ou trois audios. Elle avait vraiment insisté enfin que je puisse les écouter. Alors, je les ai écoutés, mais c'était vraiment particulier ces jours-là. C'était, je me souviens, un témoignage d'une femme qui vivait dans une maison qui était hantée et que le Seigneur avait visitée après l'avoir localisée, alors qu'elle était aussi servante de Dieu. Le Seigneur l'a localisé et puis le Seigneur lui a fait du bien en pourvoyant financièrement. Elle a quitté cette maison-là et le Seigneur l'a bénie financièrement aussi parce qu'elle était vraiment bloquée et rien ne marchait dans cette maison-là. J'ai à peu près reçu la même grâce. C'était autant d'années, plus de 9 ans, plus de 2 ans que je vivais dans une maison où rien ne marchait, rien n'allait, tout était bloqué. Et même au niveau de la famille, la situation aussi ne marche pas, tout était bloqué, il y avait un blocage terrible. Et je vais devoir encore auditionner un autre audio de Kanguka. Cette fois-ci, c'était le témoignage d'un monsieur aux États-Unis qui a été visité par le Seigneur et délivré de liens mystiques ancestraux. Alors, il y avait encore un autre audio cette fois-ci, c'était une sœur du Gabon qui dit que non, quand elle avait auditionné les voices de Kanguka, le Seigneur l'a visitée et l'a délivrée et elle avait énuméré des manifestations qu'elle a eues. En fait, quand j'auditionnais ces voices-là, j'avais commencé à bâiller. J'ai commencé à bâiller, à bâiller, à bâiller. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je commençais à bâiller, à bâiller, à avoir des rhinorrhées, le nez coulé comme pas possible. Je crachais dans ma chambre. Et même pas seulement ça, je roulais dans la chambre, au lit. Je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait.
J'avais mal partout, j'avais mal au dos, j'avais mal au niveau des articulations, j'étais en train de transpirer comme pas possible, alors que j'étais en train de prier avec le pasteur. J'étais là en train de me tordre de douleur. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, j'avais tellement mal que quand l'audio a fini, la prière a fini, j'ai encore remis et les témoignages et la prière. Et les mêmes effets étaient là, j'avais remis, je crois, 4 ou 5 fois. Je ne m'étais jamais senti comme ça, je n'ai jamais vécu ça. Et j'ai vu la main de Dieu. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui sortait et qui me libérait. Mais c'était beaucoup plus de liens ancestraux au niveau de la famille et aussi de tout ce qui était bloqué. C'est-à-dire les finances, mes projets, l'épanouissement, les études. Alors, vraiment, je vous assure que le Seigneur m'avait visité. Avant ça, j'avais même des peurs, j'avais me lamentais. Mais après avoir suivi les témoignages, les enseignements du pasteur, je m'étais sentie pas comme auparavant, j'avais changé ma façon de voir les choses. C'était maintenant les actions de grâce par rapport à ce que le Seigneur prévoyait qui arrive, que ce soit contraire à ma volonté ou que ce soit dans mes attentes. Je commençais à rendre grâce à Dieu, je commence à rendre grâce à Dieu et je prie, je lis la parole de Dieu, je suis les enseignements, je continue à suivre les témoignages. Et je me dis que non, le Seigneur a encore des choses à réaliser dans ma vie. Donc, je lui rends grâce. Et au départ, moi qui étais sceptique, je suis vraiment désormais convaincue, après ces manifestations-là, de la main du Seigneur, de la visitation de Dieu dans ma vie, de la visitation de Dieu dans ma famille, au travers du ministère du pasteur, de ses prières et de vos témoignages. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui témoignez, que Dieu bénisse aussi le pasteur, sa femme, ses enfants, que Dieu visite encore les familles du monde entier. Que Dieu manifeste ta gloire. Shalom, je témoigne. Merci Seigneur mon Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, avoir la foi avec prière de Kaoka. Je suis Ivoirien, résident à Daloa. Le 15 juillet, j'ai piqué gris de AVC. Les enfants m'ont pris, même m'ont amené à l'hôpital, ils sont venus, mais je ne peux pas me lever sur ma pied. Oui, je suis accouché là. Oui, je suis assis là, c'est là, je suis assis. Et j'ai une cousine qui est venue me voir. Elle dit, si vous ne connaissez pas prière de Kaoka là, qu'est-ce que c'est Kaoka? Je dis, ah, c'est prière. Que Dieu avoir. Si vous avez ce que je vais vous donner. Et puis, il nous a donné ça. Vous savez, en même temps, il a appris. Le jour qui a suivi, là, vendredi, là, c'est vendredi. Donc, samedi, elle dit, après quelque chose, témoignage, il y a prière qui vient. Donc, j'étais couché là. J'ai écouté les témoignages, il y a samedi, j'ai écouté, écouté, écouté. Parce que samedi, vendredi, il nous a donné. Ça me dit, écoutez, écoutez, témoignez. L'homme de Dieu a pris sa parole, prière. Il a commencé à prier, il a commencé à prier. Il dit, il y a une maman qui est paralysée, elle avait ses bras gauche, pied gauche. Dieu dit, lève-toi, faut marcher, j'ai crié. Les enfants venaient, il dit, je reçois, c'est moi, c'est de moi, tu parles, je reçois, je reçois. Les enfants venaient, 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 venaient là-bas, moi, j'ai mis les pieds. Puis ils sont venus me célébrer. Ils m'ont célébré, je me suis plus couché. J'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher. J'ai crois un peu. La prière, la prière, la prière. Jusqu'au jeudi, là, je marche. Donc, j'ai la voix à Dieu. Je n'ai rien à lui donner. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas pagne, je n'ai pas maison. Mais c'est mon cœur qui n'a qu'à prendre. Donc, voilà mon témoignage. Alléluia! Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Louis soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis une sœur togolaise résidant au Mali. Je viens témoigner de la grandeur de mon Dieu. J'ai été délivrée de pas mal de choses, de l'esprit de masturbation
Oui, j'ai longtemps, je ne sais même pas à quelle période de ma vie j'ai cessé cela. Or, je le faisais tellement, mais je ne sais pas, je me suis rendu compte un jour que je suis libérée de cet esprit. Je viens dire merci à mon Dieu. Si je viens aujourd'hui, ce midi encore, pour témoigner, c'est parce que j'ai été, ça fait 2 mois que j'ai retrouvé mes menstruations. Ça fait plus d'un an que j'ai ce problème. Je ne vois plus mes règles. J'ai changé de médecin, de gynécologue, de traitement. Rien n'a marché. Mais la nuit du 21 octobre, je suivais un témoignage. Et il y avait une sœur togolaise qui résidait au Canada qui témoignait avoir été guérie des infections vaginales. Elle disait qu'elle avait tellement dépensé. Et un jour, elle a fait sortir sa reçue. Elle se rendait compte du montant, de l'investissement, de ce qu'elle avait perdu dans cette histoire de guérison. Et elle s'est confiée à Dieu et Dieu l'a écoutée. Ce témoignage m'a aussi fortifiée. Et j'ai dit, Dieu, moi aussi j'ai dépensé, mais peut-être je n'ai pas dépensé comme cette sœur, mais j'ai beaucoup dépensé, j'ai dépensé beaucoup d'argent et d'énergie. Je viens chez toi, Seigneur. Toi qui guéris les gens à 0 francs, des maladies qu'on ne peut même pas imaginer. Pourquoi pas moi? Je suis ton enfant. Tu m'as toujours pardonné, Seigneur. Pourquoi pas? Même si c'est une punition. Pardonne-moi, Seigneur, et libère-moi. La nuit, cette nuit du 21, je dormais et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis réveillée face à une situation bizarre. Je voulais me recoucher, je n'arrivais pas. Alors, j'ai commencé par prier. Un coup, j'ai eu un grand rot. J'ai roté fort. J'ai dit, mais pourquoi cette nuit, je dois roter comme ça? Pourquoi c'est fou? Pourquoi cette nuit, je suis mon lit, dans cette position? Dieu, tu es en train de faire quelque chose. Et du coup, j'ai senti quelque chose, comme si j'avais une envie poissante que je pissais. Je pisse dans mon pot, c'était dans le noir. Mais l'esprit m'a encore dit, allume pour voir. J'allume, qu'est-ce que je ne vois pas? Du sang bien vif. Oh Seigneur! Qui d'autre peut le faire comme toi? Qui peut me faire cela si c'est pas toi? Je te dis merci. Aujourd'hui, je suis au 2e mois. Je voulais attendre pour voir si ça va continuer. Pas parce que je doutais, mais pour avoir une confirmation. Alors, aujourd'hui, ça fait 28 jours, jour pour jour, que mes règles sont encore revenues. Je ne peux plus me taire. Je ne peux plus me contenir. Merci, merci Seigneur. Merci, merci. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci tous les intercesseurs. Merci, merci. Merci Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de venir témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu Kanguka à travers des deux différents sœurs. La deuxième sœur m'avait envoyé l'audio et le même jour que la sœur m'avait envoyé l'audio, j'étais contente d'écouter et comment les gens donnent leur témoignage. Et j'avais dit à la sœur de continuer de m'envoyer les audios. Et le même jour que j'avais écouté la première audio, je faisais des crachats pendant 9 jours, mais je ne savais pas que c'était ma délivrance et que c'est après, quand j'écoutais des différents audios, que j'avais su que ces 9 jours de crachat, c'était ma délivrance. Et la sœur continuait de m'envoyer les audios. La troisième semaine que la sœur m'avait envoyé l'audio, c'était au mois de mai, et le même jour que j'écoutais l'audio, j'étais tombée inconsciemment. Je ne savais même pas. Je faisais des gestes. Et je criais. Et tu ne mens pas. Ce que tu dis, c'est ça, que c'est la vérité. Je disais beaucoup de mots. Moi-même, je ne savais pas. C'est ma fille qui m'avait dit après, parce que quand j'étais tombée, j'ai crié.
Ma fille était venue vite me voir dans ma chambre. Et depuis là, quand j'étais réveillée, et j'avais décidé de télécharger moi-même et Kanguka, depuis là, je suis les prières, je suis les témoignages de chaque week, et chaque semaine, je suis les témoignages, je suis les prières, je suis tous les prières de samedi, je ne manque pas. Avant de dormir, je mets Kanguka. Le matin, je mets. Depuis là, j'avais écrit au bout de un papier, le devis de Kanguka, et j'ai mis ça à ma chambre pour me rappeler chaque jour, de prier chaque jour, de ne pas se lamenter, d'accepter la volonté de Dieu, même si c'est différent de ma volonté, parce que moi j'étais quelqu'un qui s'est lamenté, pas possible. Moi j'ai connu, et je suis chrétienne, j'ai plus de 25 ans, j'ai connu Dieu, mais à chaque fois que je priais, je me lamentais toujours. Je savais pas que des lamentations, c'était quelque chose de mauvais. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas que se lamenter, c'est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Je me lamentais même en priant. Et c'est grâce à Christ que j'ai su que se lamenter, c'est pas quelque chose de bien. Et à ce moment ici, j'ai beaucoup changé. Kanguka m'a beaucoup transformé. Je me lamente plus. Et j'étais quelqu'un qui était très colérique. Je me fâchais même pour rien. Quand je me fâchais, je tremblais. Après, je vais avoir des maux de tête. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai fait l'effort de ne pas me fâcher, même si quelque chose qui me fait fâcher, j'ai fait l'effort de ne pas me fâcher. Alors Dieu m'a beaucoup transformé. C'est pour cela que je me suis décidé de venir témoigner. Et ma troisième témoignage, je suis quelqu'un qui souffrait de l'hypertension, ça fait 11 ans. Et quand je suivais les témoignages des autres gens, il y avait une dame, une autre fois, avait dit, elle souffrait de l'hypertension, ça fait 26 ans, mais Dieu l'a guérie. Alors j'avais dit, si Dieu guérit quelqu'un qui souffre de l'hypertension, ça fait 26 ans. Et moi, qui souffre, ça fait 11 ans seulement. Donc Dieu peut me guérir aussi. Et j'avais décidé d'arrêter de prendre les médicaments. Et depuis là, ça fait 5 mois maintenant. Je demande d'abord pardon à mon Dieu parce que ça fait longtemps, ça fait 5 mois, mais j'ai fait le témoignage en retard. Que mon Dieu me pardonne. Ça fait 5 mois maintenant que je ne prends plus le médicament de l'hypertension, mais mon tension est normale. C'est pour cela aujourd'hui, je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai fait des manifestations chaque jour. J'ai fait des différentes manifestations. Et jusqu'à maintenant même, si je commence à prier, je vais toujours faire des manifestations. Et je remercie mon Dieu parce que je sais qu'il fait sortir tout ce qui était de mauvais dans mon corps. Et il me transforme aussi de tout ce qui n'était pas bien dans mon corps. C'est pour cela que je suis venu aussi pour témoigner. Et lorsqu'on priait, et ma fille, tout le temps ici, ma fille avait des règles douloureuses. L'une de ma fille avait des règles douloureuses. Et un jour, j'avais appelé ma fille de venir prier ensemble avec moi. Et ça fait 3 mois maintenant que toutes ces règles douloureuses-là n'est plus dans ma fille. Ma fille ne souffre plus des règles douloureuses. Donc c'est pour cela que je remercie aussi mon bon Dieu. Mon bon Dieu m'a beaucoup changé. J'ai la joie maintenant, même si je n'ai rien, mais j'ai toujours la joie. J'ai la paix. Je sais maîtriser beaucoup de choses maintenant que je ne faisais pas avant. Merci Seigneur. Merci Christ de nous fortifier tout le temps. Maintenant, j'ai changé mes habitudes, mes caractères. C'est pour cela que je les remercie maintenant.
Je remercie aussi tous les gens qui témoignent. C'est à cause d'eux que nous autres, nous avons témoigné aussi. Que Dieu les bénisse aussi. Merci Seigneur. C'est ça mon témoignage. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.